Saint Docteur, Saint Paul, tu vas voir les dégâts que tu as provoqués. Tu vas constater les dégâts que tu as provoqués devant tous les obstacles qui se sont levés sur ton chemin. Qui t'a dit qu'il y a quelque chose qui peut te retenir? Qui t'a dit qu'il y a un obstacle qui peut se mettre devant ton chemin pour t'empêcher d'avancer? Qui t'a dit que tu fais partie de ceux qu'on prend en esclavage? Jamais, 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 la main de l'Éternel est avec toi. La main de l'Éternel est avec toi. Tous ceux qui ont fait des imprécations, qui croyaient avoir bloqué quelque chose dans ta vie, qui croyaient avoir mis un obstacle devant toi, qui croyaient avoir mis un échec devant toi, qui croyaient avoir mis une situation impossible devant toi. Regarde, lorsque tu as déclaré, lorsque tu as commandé, lorsque tu t'es dit, lorsque tu as envoyé le feu qui est en toi, regarde, il n'y a aucune montagne devant ma vie. Il n'y a aucune montagne devant ma vie. C'est qui est devant moi? Tout ce qui est devant moi. Tous les obstacles sur mon chemin. Tous les obstacles sur ma destinée. Tous les obstacles sur ma destinée. Sont divisés. Tous les obstacles sur ma route. Tous les obstacles sur ma route. Sont divisés. Tu vas dire Seigneur Jésus-Christ. Pendant que je faisais la traversée. Pendant que je faisais la traversée. Toutes les entités qui étaient à ma bouche restent prisonniers. Les rochers. Que les rochers tombent sur eux. Que la montagne tombe sur eux. Que la mer les noie et tous. Que les lacs les noie et tous. Tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas t'enrichir, tu ne peux pas avoir de la croissance. Tous ceux qui ont voulu te voir être malheureux, qui ont utilisé toutes sortes de rites, de rituels, d'attaques, pour pouvoir te maintenir en arrière, aujourd'hui, il n'existe plus dans ta vie. Toi-même est fatigué. Jésus.
Jésus, 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 regarde le Seigneur Jésus qui fait toutes ces choses. Tu n'es pas donné le témoignage ici. J'ai dit, tu viendras ici, ici. Tu viendras ici, ici. Ce témoignage. Vous allez pas aller écouter le témoignage jusqu'à ce que vous allez vous endormir. Ça va commencer le matin jusqu'au lendemain matin. Alléluia! Gloire à Jésus. C'est dans sa présence. Le Seigneur dit, après ces choses, quand Israël est sorti de là, il dit la Pâque. De fait, tu as vu les esprits que tu viens de te. Tu es dans ta vie. Jamais. Est-ce que tu veux qu'ils se multiplient dans ta vie? Jamais. Et pour ne plus qu'ils arrivent, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois plus vivre dans le péché. N'aie pas de paix avec l'éveil. Marche dans la sainteté. Même si on t'injure pour ça, ce n'est pas une personne qui te parle. C'est l'esprit que tu déranges qui est en train de s'effraire. Gloire à Jésus. Et maintenant, le Seigneur va le dire. Après tout cet état, aujourd'hui, je vous ai fait sortir. Mais cette alliance qui est la Pâque doit toujours se renouveler. Il a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on peut trouver un agneau ou bien un bélier sans défaut? On va le trouver où? On ne peut le trouver. C'est pourquoi Jésus-Christ, il a observé. Il a vu que s'il ne vient pas lui-même pour se sacrifier pour toi et pour moi, le monde des ténèbres a trop de malmené. Il faut sacrifice humain. Toi, tu n'as pas le courage de ça. Ils s'en vont. Ils dorment avec les cadavres à la mort. Toi, tu n'as pas le courage de ça. Alléluia. Mais le Seigneur veut que tu entres dans son ciel, dans la sainteté, dans la pureté, sans corruption de ton esprit, de ton âme et de ta chair. Il sait que tu n'as pas les yeux ouverts dans le spirituel. Il sait que ton discernement des esprits n'est pas fort. Mais il va venir par le sacrifice à la Pâque pour te donner une alliance excellente. Gloire à Jésus. Amen. Regarde mon bien-aimé. Nous allons aller dans le livre de Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. À partir du verset 1er, cette étape passe. Israël avance. Ceux qui n'étaient pas dignes d'entrer dans la terre promise vont rester prisonniers dans le désert. Même Moïse lui-même, qui avait conduit, n'est pas entré. Il a vu, mais il n'a pas touché. Alléluia. Est venue la génération de Josué et de Caleb, qui
après avoir expérimenté la puissance de la Pâque, et qui est sorti de l'Égypte, qui a traversé la mer, cette génération va continuer de se perpétuer. Ils vont se faire circoncis, parce que c'était un peuple qui, une génération nouvelle, tous les anciens sont restés dans le désert. Et Josué va continuer. Alléluia. Et les temps vont passer. La Pâque est toujours célébrée jusqu'à ce qu'on arrive dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, je veux que nous le lisons maintenant, allons-y, à partir de Matthieu, chapitre 26. À partir du verset 1er, tout le chapitre, si tu veux. Matthieu, Matthieu chapitre 26, à partir du verset 1er. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples: vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibéraient sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais il dit que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Verset 6. Comme Jésus était à Bethanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'alpâtre qui renfermait un parfum de grand-prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette tête? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus s'en étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité. Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Verset 14. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, allant vers les principaux sacrificateurs, et dit: que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et il lui payait 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il chercha une occasion favorable pour livrer Jésus. Verset 17. Le premier jour, des pains sans levain, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous et préparions le repas de la Pâque? Il répondit: allez à la ville chez un tel et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparaient la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit: je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire: est-ce moi, Seigneur? Il répondit: celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va,
selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudra pour cet homme qu'il ne fut pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit : Est-ce moi, Rabbi ? Jésus lui répondit : Tu l'as dit. Verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant : Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Au verset 30, après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit : Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit : Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit : Quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit : Je te le dis en vérité. Cette nuit même, avant que le temps chante, tu me renieras trois fois. Pierre lui répondit : Quand il me faudra mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples disent la même chose. Au verset 36, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples : Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il a dit : Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi : Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre : Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi : Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revient et le trouva encore endormi, car les yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit : Vous dormez maintenant et vous reposez. Voici. L'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'approche. Verset 47. Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des douze, arriva et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe : Celui que je baiserai, c'est lui, c'est seul. Aussitôt,
S'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mit la main sur lui, sur Jésus, et le saisit. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souvenir sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de tous les jours d'âge? Comment donc s'accompliraient les écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous en parler de moi. J'étais tous les jours ici parmi vous. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les Écritures, afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Verset 57. Ceux qui avaient saisi Jésus les menaient chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient rassemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tous les sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisant pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvaient point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il y avait deux qui disent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'assure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble? Il répondit, il mérite la mort. Là-dessus, il lui cracha au visage et lui donnait des coups de poing et des soufflets en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était assis avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec ses mains. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés, dit à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta.
et Pierre se souvient de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'était nécessaire de te présenter toutes ces choses. Regarde Dieu. Le Seigneur dit, vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours. Et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. À ce niveau-là, comme toi aussi, le Seigneur sait qu'il y a des gens qui se réunissent sur toi, sur ta vie. Ce que nous vivons, il l'a vécu. Ce que tu traverses, il l'a déjà traversé. C'est pourquoi il te conseille de veiller avec lui, de prendre à cœur cette Pâque, mais avec un avertissement de savoir ce que tu fais, parce qu'une voie spirituelle excellente sera ouverte pour toi. Est-ce que tu me suis? Amen. Si Jésus a subi le complot, ce n'est pas quoi? Il va dire, regarde comment ils sont méchants. Ça est dans la nature de l'homme. Ça est dans la nature humaine. Même toi-même, dans ta propre maison, souvent, le fils regarde le papa. Il dit, le vieux la même. Grande maison dans les dédés, il va mourir, comment je vais prendre ça? Et puis il se voit dedans. C'est quand il va partir, vois-tu la main, je vais vous laisser aussi. L'homme est comme ça. Toi-même, tu ne voulais pas. Mais ce genre de pensée, ça t'a traversé aussi. C'est pas que tu veux les tuer, mais arrivé un moment donné, tu regardes, tu dis, Jésus, et ça là, c'est pour moi. Le jour qui s'en va là, ça là, c'est pour moi. Tu te le dis. C'est la nature de l'homme. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, si cette nature veut se lever, il faut que tu tues cette nature. Parce que quand cette nature commence à prendre place, d'autres sont amenés à même frapper leurs parents, à maudire leurs parents. Dans les délivrances, nous avons vu certains qui ont maudit leurs parents. Si aujourd'hui je vis ce que je vis, c'est à cause de mon papa. Parce qu'il était pauvre. Il n'avait rien pour nous donner. Ils ont vu à leur propre père. La nature de l'homme est ainsi. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas marcher ainsi. Au lieu d'apprendre auprès de Jésus, il cherchait à le faire tomber. Mais il était nécessaire aussi que cela arrive. Parce que pour que la gloire arrive, il faut la souffrance. Quelle femme qui ne souffre pas des douleurs de la maternité peut donner un enfant au monde? Alléluia. Toi-même, quand tu étudies pour avoir ton diplôme, il y a des jours, tu as dit, moi, je suis fatigué. Et tu vas voir les élèves consciencieux, ils maigrissent. Parce qu'ils sont concentrés sur le travail scolaire qu'ils ont. Ils sont concentrés sur l'objectif de leur examen. Et Jésus nous montre le chemin. Alléluia. Mais il y a quelque chose spirituellement élevé qui va se produire ici. Jésus entre à Bethanie et s'assoit dans la maison de Simon le lépreux.
l'adoration de là-bas. Quand ils vont entrer là-bas, ils vont servir à manger à table. Pendant qu'il était assis à table, une femme de mauvaise vie va entrer elle aussi, en transportant avec elle un parfum cher. Elle entre, elle le trouve. Elle ouvre le parfum. Elle fait ça sur sa tête. Quand elle déverse le parfum sur sa tête, tous les disciples étaient indignés. Oh, tu t'imagines? Tu es avec le député de ta commune. Et vous entrez quelque part pour manger. Une femme entre la main, vous trouve. Elle ne fait pas sa baisse sur sa tête. Et puis il dit, ça va te bousculer. Alléluia. Oh, dans le cadre spirituel, Jésus représente le rabbi. Il représente le sacrificateur par excellence. Il représente celui qui est la pureté et la sainteté. Donc celui qui est pur, lui qui chasse les démons, qui guérit les malades, qui ressuscite les morts. Mais regardez donc la personne qui l'approche, une femme de mauvaise vie. Et puis elle n'a fait ça, et puis il dit rien. Et ils ont commencé à se regarder. Bon, comme si souvent, tu as dû regarder aussi peut-être les hommes de Dieu en disant, et puis, il dit rien. Alléluia, le Seigneur, un peu Dieu. Alléluia. Comme si on a dit ça de toi. Souvent dans des positions où tu n'as pas fait grand-chose, on a dit, est-ce que lui d'un Dieu, c'est un chrétien? Gloire à Jésus. Et Jésus les regardait. Il a cette capacité de lire dans les cœurs ce que tu penses là. Lui, il sait. Il n'a pas dit, pourquoi vous me regardez comme ça? Il a posé cette question. Non. Il a commencé en même temps à dire, mais lui ne fait pas du tort. Elle a fait ce qu'elle a pu. Quand elle a regardé dans ce qu'elle peut faire, c'est ça la gueule. Mais la chose spirituelle qui va se passer ici, c'est la révélation sur le parfum qui affaiblit l'intensité de l'onction dans la vie de quelqu'un. Amen. Quand le parfum le touche, ça touche tout. Sur lui. Il y a le champ vibratoire de l'onction. Il y a un champ magnétique autour de toi. C'est comme une bulle de sécurité. Et ceux qui commencent à connaître la manifestation de l'onction, quand tu passes dehors, tu marches sur une route. Si quelqu'un te regarde à gauche, et qu'il insiste au un coup ton regard se retourne sur lui. Et vos regards se croisent, il détruit son visage. C'est ça ce qui fait ça. On a les détecteurs, mais je ne joue pas avec ce que Dieu a mis en toi. Quand tu marches, beaucoup de yeux, ça ne te dit rien. Mais il y a une direction qui t'accroche. Quand il pointe là-bas, vous vous croisez, il enlève. Pourquoi? Il entre dans ta zone de sécurité. Ça te dérange. Ça te débête. Tu réagis en même temps. Mais l'homme qui n'est pas spirituel, lui, ça ne lui fait rien. On le regarde jusqu'à là, il s'en va. Il faut mettre une photo de Dieu sur lui. Ça ne lui dit rien, ça ne lui fait rien. L'homme qui n'est pas spirituel, c'est lui quand on appelle dans la rue. Il est quelque part, on ne le connaît pas là-bas. Il entend son nom. Et puis il s'arrête.
Et puis il cherche. Hey, qui m'a appelé? Le monde des ténèbres appelle. Le monde spirituel appelle. Le monde spirituel appelle. Dieu a appelé Samuel. Il dormait. Ce que Dieu fait, le diable copie. Vous faites la même chose. C'est pourquoi ne réponds jamais à ton nom que tu n'as pas et tu n'as pas vu la personne. J'ai dit non. Tu entends, on t'appelle. Tu n'as pas vu la personne. Ne dis pas oui. Oui, oh, j'arrive. J'arrive, on dit, on ne t'a pas appelé. Alléluia. Le parfum touche Jésus. L'onction baisse. Regarde. Quand le parfum ne l'a pas touché, personne ne peut l'attraper. C'est moi qui te dis ça. J'ai dit, si le parfum, ça là, n'était pas tombé sur lui, vous allez voir. Dès que le parfum l'a touché, Jésus est sorti. Bisous-le. Au partir du verset 12, en répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alors, l'un des tous appelé Judas Iscariote alla vers les principaux sacrificateurs. La gloire du Seigneur Jésus-Christ. Dès que le parfum le touche, Satan dit à Judas, c'est l'heure. Là, on peut le mettre la main sur lui. Là, on peut le toucher encore. Là, on peut le prendre encore. Amen, va vite. Judas est rempli de l'esprit du diable. Il va pour le complot. Et le même jour, quand il va sortir de là, le même jour, ils vont venir le prendre. Mais même encore pour le prendre, l'ancien peu qui était là, il était de tout. Ils sont venus pour vous. Qui est Jésus? Il s'est retourné. Il dit c'est moi. Ils sont tombés. Et tout soit terre. Parfait à toucher, mais onction opérationnelle. Et c'est du complot. Maintenant, regarde. Quand parfait ne l'a pas touché, allons dans Matthieu 4, verset 17 à 21. Matthieu, chapitre 4, verset 17 à 21. Matthieu chapitre 4, verset 17 à 21. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre. Alors, Luc 4, verset 17 à 21. Luc 4. Pas Matthieu, Luc 4, verset 17. Commence par verset 16. Luc chapitre 4, verset 16 à 21. À 21. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Continue. Verset 22. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ceci dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaüm. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Samaria, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'il entendit ces choses. Et s'étant levé, ils le chassaient de la ville et le menaient jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Amen. Amen. Quand l'onction est là, tu peux rien lui faire. Ils l'ont pris. Quand il a fini de parler, ils étaient fâchés. Ils l'ont trimballé. C'est-à-dire qu'ils ont marché longtemps pour aller jusqu'en haut, il y a les montagnes. Il est arrivé là-bas. Il est dans les airs. Ils l'ont poussé, poussé. Certainement qu'ils étaient derrière lui. Non, il est au de Dieu, je dis, non. Ceux qui voyaient la foule, bah, disaient, on dit quoi là-bas? On dit non, c'est un gars, il dit, ah, on va le chercher, on va, c'est sa fin. Donc tous ceux-là se sont mis ensemble. Ils sont arrivés au bout de la falaise. Arrivés là-bas. Ils sont arrivés. Ils s'est retrouvé. Il a passé au milieu de lui, il n'y a pas rien. Il va ouvrir sa bouche pour parler. Et tout ça là. Et puis ça va. Et puis il a dit, alléluia. Le diable sait que lorsque le parfum intervient dans le corps, ce parfum va aller se répandre, déchirer la protection spirituelle de sur ton âme, sur ton esprit. Il sait qu'il y a un corps éthérique qui nous couvre et il sait qu'il y a un bouclier. Que parle, que dit Ephésiens 6, on dit le casque du salut à la tête, à son tronc, le bouclier, hein? Il met non, la cuirasse de justice. Mais cette cuirasse de justice, il y a des éléments qui atteignent le corps éthérique et qui le perforent, à commencer par le parfum. Et quand tu ne bois pas l'alcool, le diable maintenant va corser le parfum en ajoutant de l'alcool. Pour qu'au contact de ta peau, ça descend dans ton sang. Pour qu'on puisse te prendre. Parce qu'avant, il ne fabriquait pas le parfum avec l'alcool. Et dans ce mystère, quand le parfum le touche, il sait.
forcé et que on m'a le forcé, il va devenir comme un homme ordinaire. Il va devenir comme un homme ordinaire. Et ils sont partis à lui. Maintenant, quand toi tu mets le parfum, tu la mets sur quelle partie de ton corps? Quand tu l'aimes, il y en a qui ont commencé à dire, il ne faut pas dire les choses comme ça. Quand tu m'aimes, c'est où? C'est pas ici. C'est ici. Hein? C'est pas ici. J'allais eu qui l'ont ici. J'allais eu. Est-ce que tu connais la couleur de ça? Hein? J'avais eu mal aux autres. J'avais mal aux oreilles. On met un parfum ici. On met ici. On met dans les mains. On met sur son habit. Et puis on est content. Bouclier déchiré, percé, percé. Donc ceux qui ont l'œil pour voir, quand ils regardent, ils voient que sur la personne, il y a des zones vides, il y a des zones qui sont enlevées. C'est lui-même qui a fait ça. Alléluia. Oh, Jésus, elle a versé le parfum sur sa tête. Elle a versé le parfum sur sa tête. On porte la couronne à elle le pied. On porte la couronne à elle. Oh, il est roi des rois. Elle verse sa tête. Oh, sur la tête, il y a la fontaine. Ça va couler. De ce point de vue, il devient comme toi et moi un homme ordinaire. Et il faut que ça arrive pour qu'on puisse le prendre. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui peut le prendre. Malgré ça, pendant qu'ils étaient en train de lutter, quand ils sont venus le prendre à Gethsémané, ils ont sorti un couteau. Ils ont coupé l'oreille des soldats. Il a fait quoi? Il a pris l'oreille. Il a replacé l'oreille. Alléluia. C'est-à-dire, et il a dit, si je voulais, si je ne voulais pas que quelqu'un me touche, j'allais faire quoi? Demander à mon père de m'envoyer quoi? D'envoyer quoi? 12 légions d'anges. Donc, voyez, légion, c'est pas seulement que le démon. Légion ne veut pas dire démoniaque. Légion veut dire le nombre. Ça détermine le nombre. Donc, 12 légions d'anges pour combattre. Ah, donc, les anges combattent. On va arriver à ça. J'ai été surpris de découvrir dans la Bible qu'il y a les anges et puis il y a l'armée de Dieu. On n'appelle pas ange, on les appelle l'armée de l'Éternel. Alléluia. Si donc lui veut se battre, il n'y a pas un homme qui peut s'arrêter. Mais c'est un seul ange. Quand on va dans le livre des Chroniques, un seul ange est sorti. Il a frappé la main d'Assyrie. 187 000 morts. Un seulement. Un. Il est sorti sur eux. 187 000. C'est-à-dire que tout le quartier ici, là, ils sont tous morts. Et Jésus dit, si lui voulait, ils allaient envoyer 12 légions. Or, une légion fait environ 6 000. Ils allaient envoyer 12. Ils n'avaient pas assez de bien se laver. Courir ne serait pas courir toujours. Gloire à Jésus. Oui, mais parce que quand ils allaient descendre pour le combat, Caïphe lui était chaud. Il allait soulever le poupou là comme ça. Son talon allait toucher sa nuque. Tellement qu'il coupe.
Mais ce n'était pas pour ça. Il fallait que ça arrive. Ce que je veux te dire, regarde. Au moment où Jésus fait ça, il se laisse prendre et il va jusqu'au sacrifice. Pendant qu'il partait au sacrifice, ce qu'il a prophétisé était en train d'arriver. C'est pourquoi ce sacrifice-là, il faut que ça puisse compter encore pour toi aujourd'hui. Parce que la Pâque, elle est importante. Ce n'est pas un événement à prendre à la légère. Alléluia. L'apôtre Paul nous montre que la Pâque est un événement important dans la vie du chrétien. Acte chapitre 18. À partir du verset 21. Acte chapitre 18, à partir du verset 21. Oui. Mais il n'y consentit point et il prit congé d'eux en disant : il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. Et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem et, après avoir salué l'église, il descendit à Antioche. Amen. Il dit, il prit congé de vous. En leur disant, il faut absolument. Quand on dit il faut absolument, ça veut dire quoi? Il faut absolument que je vienne au culte. Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine. Ça veut dire quoi? On monte, on descend. Cette fête-là, moi, il faut que je la célèbre. N'est-ce pas? Il va dire, il faut que j'aille faire cette fête. Il faut que je sois avec mes frères à Jérusalem. Et je reviendrai vous voir, s'il plaît à Dieu. Et puis, il est parti. Pourquoi Paul dit que ces gens, les fêtes chrétiennes, et ça c'était qu'il parlait de la fête de la Pentecôte. Et la Pentecôte intervient 50 jours après la Pâque. Alléluia. Il parlait de ça. Il faut absolument, quand on dit fêter, ça veut dire commémorer, célébrer, se réjouir, n'est-ce pas? Il faut que oui, il vienne se réjouir dans cette fête. Mais il y a quoi dedans? Dans cette fête de Pâques, il y a quoi dedans? Alléluia! Et vous allez voir que l'apôtre Paul va aller plus loin. Il va dire dans 1 Corinthiens 16, à partir du verset 9. 1 Corinthiens 16. À partir du verset 9. Commence même à partir du verset 8. Voilà, à 9. 1 Corinthiens 16, à partir du verset 8. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Tu vas rebobiner. Tu vas même rebobiner à partir de ces 7. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant. Mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grave et d'un accès efficace m'est ouverte.
Et les adversaires sont nombreux. Alléluia. Pendant qu'il a des adversaires, il y a une porte spirituelle qui s'ouvre pour lui. Avant la célébration et après la célébration, il connaît les temps. C'est pourquoi Jésus dit, vous regardez le temps et vous pouvez dire qu'il va pleuvoir. Mais vous n'êtes pas capable de dire quand est-ce que la manifestation de toutes les choses spirituelles doivent arriver, où se trouve l'esprit, comment l'esprit arrive, où va Dieu, qu'est-ce qui... Vous ne voyez pas ça, mais vous pouvez voir le temps. N'est-ce pas? Quand la parole arrive, il y a deux genres de chrétiens. Il y a un chrétien qui comprend les choses qui sont très spirituelles. Et il y a un autre qui ne comprend pas grand-chose, mais qui suit. Et qui fait, il suit. Paul est en train de nous révéler que ces célébrations qui arrivent ne sont pas des choses qui sont à nous. C'est pourquoi tu ne peux pas, dans cette Pâque, te tromper pour aller faire comme les païens font et célèbrent cette fête. Ça ne va pas t'arranger. Alléluia. Donc, Corinthiens 2, verset 10 à 17. 2 Corinthiens 2, verset 10 à 17. 2 Corinthiens 2, verset 10 à 17. Or, à qui vous pardonnez, je vous pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, quoique le Seigneur m'y ouvert une porte. Paul est étrange. Paul parle de quoi? Quelle porte qui a été ouverte? Quelles sont ces portes? Il parle de portes, il parle de portes. Et nous savons que le ciel s'ouvre. Il y a la porte du ciel. Nous savons que, on dit le ciel s'ouvre sur toi. Mais ce qui s'ouvre a une porte. Si la terre a une bouche, c'est que le ciel a une porte. Alléluia. C'est pourquoi la parole qui dit tous les chemins mènent à Rome, c'est pas chrétien. Alléluia. Au verset 13, il dit, je n'ai point d'esprit en repos parce que je n'y trouvais pas titre, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé des frères, je vais en Macédoine. Continue à partir du verset 14. Verset 14 à 17. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Nous sommes, en effet, où Dieu a bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Donc, vous voyez qu'ici, il y a même les portes pour entrer et pour comprendre la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle les portes spirituelles. Alléluia.
Et la Pâque constitue une porte spirituelle importante. L'événement qui a eu lieu à la Pâque se renouvelle tout le temps. Et on doit préparer ce moment dans un esprit de jeûne et de prière. C'est pourquoi le Seigneur dit, et quand on voit dans la parole, on voit que déjà le septième jour, il y a des choses qu'il faut faire le septième jour du mois. Et après le quatorzième jour vient la célébration. Et après le 21e jour, il y a une autre chose à faire. Et ça, on va les attaquer la semaine prochaine. Mais il faut que tu saches, tu vas pas t'asseoir comme ça jusqu'à va venir, tu viens, tu es content, c'est là-bas, tu danses, tu manges, et tu ne vas pas te coucher. Non, sinon ça ne sera pas profitable. Alléluia. Regarde quelque chose. Sur terre, les gens se souhaitent les feux de bonheur, et autres, à partir des temps. Le début du premier mois de l'année, c'est pas ça. Mais nous, les enfants de Dieu, ne souhaitons pas. Nous, on déclare. Notre Papa Dieu, il ne souhaite pas. Est-ce que le Seigneur a dit, je souhaite que la lumière soit. Et puis la lumière vient. Je souhaite que les animaux soient. Et puis les animaux soient pleins. Non. Dieu dit que la lumière soit et elle fut. Oh, cette période, c'est la période où toi tu dois dire pour ton frère, pour ta soeur. Tu dois devenir leur prophète. Tu dois prophétiser. Nous entrons dans le premier mois de l'année selon le calendrier biblique. Est-ce que tu comprends? Ah, on est en train de faire avril en a de là. C'est en janvier. Voilà. Tu as compris maintenant? Pas là. C'est quand on a de là. C'est ton janvier, faut dire ça, commencer. Ton janvier, tu cherches. C'est un avril. Donc, quand c'est pourquoi les tenues sont sorties, il y a dit, quand tu vas sortir comme ça, le dimanche de Pâques, il faut que les voitures se collent sur la route. Les voitures se collent sur la route. Alléluia. Mais vous, comment? Mais vous voulez la prévenir? Mais comment elle a fait pour échapper? Puis elle est rayonnante comme ça. Mais lui, vous voulez bloquer sa vie? Mais comment elle a fait? Puis il prie comme ça. Ils ont dit, mais. Et puis toi, tu marches là. Jésus. Moi, t'as le match de l'eau. T'es pas de vous. Oh. Ce que tu vas faire là, tu veux cacher les raisons pour le dire. Jean, tiens, ma chérie. Pour lui, un petit. Il y a un bonnet ici, il ne parle pas. Là, ils n'aiment pas trop parler des gens comme les rigoles. Là. Ça n'a qu'à arriver sur moi. On va se promener d'ici. L'homme robe, mais ce n'est pas robe. On va balayer la route. On va balayer la route. Alléluia. On va prier. Afin que le Seigneur nous donne une porte ouverte, une porte efficace. Parce que quand on regarde dans le livre de Colossiens 4 à partir du verset, de Colossiens 4 à partir du verset 2 à 3,
Colossiens 4, verset 2 à 3. Colossiens 4, verset 2 à 4. Colossiens 4, verset 2 à 4. Oui. Vous savez, en effet, quelques préceptes, nous vous avons donné de la part. Ça dépend des pays. Colossiens 4, verset 2 à 4. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Et veillez avec action de grâce. Priez en même temps pour nous. Priez en même temps pour nous. Afin que Dieu nous ouvre une porte. Afin que Dieu nous ouvre la porte pour la parole. De la parole. Pour annoncer. En sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. À cause. Pour lequel je suis dans la chair. Et de le faire connaître comme je dois en parler. Alléluia. Donc voici une porte. La porte de la parole. Et la prière de l'apôtre est précise. Priez pour nous afin que Dieu nous ouvre cette porte. On va prier pour que aussi Dieu nous ouvre la porte de la Pâque. Et que des choses surnaturelles de bien arrivent dans vos vies. Gloire à Jésus. Et vous allez voir que pendant les fêtes, les ouvertures de portes se font. Oui, il ne faut pas être ignorant de ça. 1 Corinthiens 16, à partir du verset 8 à 9. Corinthiens 16, à partir du verset 8 à 9. Je resterai néanmoins à Éphèse. Je resterai à Éphèse. Jusqu'à la Pentecôte. Jusqu'à la Pentecôte. Car une grande porte. Une grande porte. Et des adversaires efficaces. Oui. Mais ouvertes. Mais ouvertes. Et les adversaires sont nombreux. Donc, quand tu as beaucoup d'adversaires, il y a des portes que tu ne peux pas rater. Quand tu sais que les combats de ta vie sont compliqués, l'institution de la Pâque, il y a des portes dans lesquelles tu dois entrer. C'est un accès efficace. C'est que tu n'as jamais expérimenté. Tu vas prier pour que cette porte de la Pâque s'ouvre pour toi et que tu puisses descendre tous les adversaires qui rôdent autour de toi. Alléluia. Le Seigneur nous montre qu'il ouvre toutes les portes. Et c'est lui qui en détient les clés. Donc ce ne sont pas des portes physiques, c'est des portes spirituelles. Apocalypse 3, à partir du verset 7 à 9. Apocalypse 3, verset 7 à 9. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre. Qui ouvre. Et personne ne fermera. Et personne ne fermera. Celui qui ferme. Celui qui ferme. Et personne n'ouvrira. Et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Oui. Voici. Parce que tu as peu de puissance. Parce que tu as peu de puissance. Et que tu as gardé ma parole. Et que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi. J'ai mis devant toi. Une porte ouverte. Une porte ouverte. Que personne ne peut fermer. Que personne ne peut fermer. Voici. Je te donne de ceux de la synagogue de Satan. Oui. Qui se disent juifs. Qui se disent chrétiens. Et ne le sont pas. Qui ne le sont point.
Mais qui monte. Voici. Oui. Je le ferai venir. Se prosterner. Oui. À tes pieds. À tes pieds. Et connaître que je t'ai aimé. Amen. Donc, la clé pour ouvrir les portes, c'est la clé de David. C'est pas la clé pour ouvrir la salle ici. Alléluia. C'est les clés spirituelles pour ouvrir les portes spirituelles, les portes dont l'accès nous est efficace. Et la Pâque, il y a une porte, sinon des portes puissantes qui doivent s'ouvrir pour toi. Alléluia. Et le Seigneur, il fait. Gloire à Jésus. Tu vas te tenir debout. Tu vas dire Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie de m'avoir fait foi à cette génération. Je te remercie de m'avoir fait foi à cette génération. Et de m'avoir donné la vie à cette heure. Et de m'avoir donné la vie à cette heure. Je prie que tu ouvres une porte efficace pour moi. Pendant cette célébration de ta Pâque. Et que tu ouvres la porte de ta parole sur ma vie. Donne-moi les clés dont j'ai besoin. Pour ouvrir les portes de les domaines de ma vie. Éternel, utilise la clé de ta vie. Pour ouvrir des portes que personne ne pourra fermer dans ma destinée. Ouvrir les portes que personne ne pourra fermer dans ma destinée. Seigneur, ouvre la porte qui me conduira au ciel avec assurance. Seigneur, ouvre la porte qui me conduira au ciel avec assurance. Ouvre la porte qui me donne la victoire sur tout ce que le monde des ténèbres travaille pour pouvoir me retenir. Seigneur. Seigneur, ouvre les portes avec la clé pour empêcher le monde de ténèbres, de refermer ma porte et que j'ai un accès efficace pour entrer dans ma destinée. Et pour être moissonné pour le ciel. Ouvre la porte de la parole de connaissance. Ouvre la porte de la vie en abondance. Ouvre la porte de la joie puissante. Ouvre la porte de l'esprit de prière. Ouvre la porte du ciel sur ma vie. Referme les portes des morts. Referme les portes du monde des ténèbres. Les prêches ont été ouvertes sur ma vie. Referme toutes les mauvaises portes qui me concernent. Referme les mauvaises portes cachées dans mon nom de famille. Referme la mauvaise porte des enfoutements. Referme la porte de l'esprit de mort sur ma vie.
Éloigne de moi la tentation. Éloigne de moi la tentation. Reprends-moi sur le mauvais chemin. Reprends-moi sur le mauvais chemin. Redis-moi de la foi de la destruction. Redis-moi de la foi de la destruction. Conduis-moi sur ton ferme rocher. Conduis-moi sur ton ferme rocher. Fais-moi asseoir dans la puissance de ton sang précieux. Fais-moi asseoir. Que ta gloire brille sur ma vie. Que ta gloire brille sur ma vie. Et que toutes les étoiles de ma vie brillent. Et que toutes les étoiles de ma vie brillent. Retire toute la poussière de ténèbres. Retire toute la poussière de ténèbres. Qui tente d'étouffer mes étoiles. Qui tente d'étouffer mes étoiles. Et m'empêcher d'entrer dans mes grâces et dans mes bénédictions. Et m'empêcher d'entrer dans mes grâces et dans mes bénédictions. Seigneur. Seigneur. Je te prie. Ouvre les portes spirituelles sur ma vie. Ouvre les portes spirituelles sur ma vie. Pour que le Saint-Esprit puisse descendre dans ma vie. Pour que le Saint-Esprit puisse descendre dans ma vie. C'est pourquoi depuis ce matin. J'ai entendu ta voix. Tu m'as dit tu frappes à la porte de mon cœur. Paix. Si je n'arrive pas à ouvrir cette porte, aide-moi à ouvrir la porte de mon cœur. Pour te recevoir. Et que tu fasses un avec moi. Et que tu viennes avec le paix. Que vous demeurez en moi. Je prophétise sur ma propre vie. Toutes les portes d'accès efficaces s'ouvrent maintenant. Les portes de la providence. Les portes de la grâce. Les portes de l'abondance. Les portes du bonheur. Les portes de la joie. Les portes de la paix. Les portes de la croissance spirituelle. Les portes de l'élévation. Les portes de la distinction. Les portes de la vie en abondance. Je suis béni au nom de Jésus-Christ. Je prophétise sur ma propre vie. Que personne ne peut maudire celui qui est béni. Car celui que l'Éternel a béni est béni pour toujours. On ne touche pas à ma vie. Selon la parole de Dieu. On ne perturbe pas ma destinée. Et cela se lève comme un décret nouveau. Dans le monde spirituel. Afin que tous les esprits ne me touchent plus. Et que toutes les tentatives de me déstabiliser échouent. Je prophétise. Que l'homme de ma destinée. Que l'homme de providence. La personne qui viendra pour m'aider. Que Dieu a mis sur mon chemin. Ne soit plus retardé. Que l'opportunité qui me permet de rencontrer la personne de providence. Ne sois pas retardé. À partir d'aujourd'hui, je déclare. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Jésus-Christ de Nazareth fait son entrée dans ma vie. Porte de la malédiction. Soyez fermés à tout jamais. Porte de la distinction et de la vie. Ouvrez-vous en permanence sur ma vie.
Papa du ciel. Élevez vos lèvres. Portes du royaume des cieux. Élevez-vous pour me recevoir. Portes de la maison de mon Père. Jésus-Christ de Nazareth. Ouvrez les portes pour m'accueillir. Je porte en moi la sémence de Dieu. Je ne pêche point. Je vis dans la sainteté. Je proclame la gloire de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ habite en moi. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, c'est Christ qui me conduit en toutes choses. Merci Seigneur Jésus. D'ouvrir une porte efficace pour cette assemblée. Afin que ce moment de pâque soit une occasion bénéfique pour tous tes enfants. Au nom de Jésus. Maintenant, toi-même commence à prononcer les bénédictions sur ta vie. Toi-même commence à bénir tes mains. Commence à parler sur ta vie. Commence à bénir tes mains. Commence à parler sur ta vie. Commence à bénir tes pieds. Commence à parler par la parole sur ta vie. Toi-même. Prophétise sur moi. Que tu veux que ça arrive. Prophétise sur ton existence. Que tu veux que ça arrive. Prophétise sur ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Prophétise sur ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Prophétise sur ce que tu veux voir accompli dans ta vie. Prophétise sur toi. Prophétise sur toi. Prophétise sur toi. Ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas la bouche. Prophétise sur ta propre existence. Ah, Dieu t'attend ce matin. Prophétise sur ton pardon ombilical. Ah, Dieu t'attend. Prophétise sur ta propre vie. Prophétise sur ton existence. Mets ta main sur ta fontanelle. Prophétise sur ton existence. Prophétise sur ce qui va arriver pour ta vie. Prophétise sur tout ce qui est bien. Qui doit arriver pour ta famille. Prophétise sur tout ce que tu veux voir. Que le Seigneur accomplisse dans cette période de temps. Prophétise sur toi-même. Prophétise sur toi-même. Prophétise sur toi-même. Dis-le avec vie. Prophétise 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 avec vie. Sur ta propre existence. Sur ta propre existence. Sur ton propre devenir. Prophétise. Prophétise. Parle. Déclare. Déclare. Seigneur Jésus-Christ.
Je te dis merci. Je te dis merci. Je suis vraiment reconnaissant. Je suis vraiment reconnaissant pour ce que tu as déjà accompli. Pour ce que tu as déjà accompli. Tout ce que j'ai prophétisé sur ma vie. Tout ce que j'ai prophétisé sur ma vie. Car il est écrit. Car il est écrit. Dans Esaïe 44, verset 26. L'Éternel confirme la parole de son serviteur. Il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Il accomplit ce que prédisent les envoyés. Merci de m'avoir exaucé. Merci de m'avoir exaucé. Et que le temps des saucements. C'est maintenant. Merci pour ce témoignage. Merci pour ce témoignage. Merci pour ce témoignage. Merci pour ce témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons Seigneur. Acclamons Jésus. La même chose. Merci pour la présence du Seigneur. Tu sais, pendant que pendant que dimanche nous avons pris le repas du Seigneur, il y a eu beaucoup de choses qui s'est produit dans ma vie. Il y a eu beaucoup de choses que vous avez reçues. Il y en a qu'une des délivrances. Il y en a qu'une des exaucements. Il y en a qu'une des percées. Il y en a qui ont des ouvertures. Il y en a qui ont été libérés. La diarrhée, des choses noires sont sorties d'eux. On va venir rendre ce témoignage et juste après, nous allons préparer les enfants. Alléluia. Quand tu viens, tu prends le micro. Tu vas rendre ton témoignage. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, que le Seigneur Jésus bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Bien aimé, c'est un témoignage. Le dimanche passé, on a mangé le repas du Seigneur. Et après avoir rentré, en tout cas, vraiment, je suis allé pour moi à la scène. Et en tout cas, il y a des choses qui sont sorties de mon corps. Et après cela, le Seigneur a commencé à ouvrir les portes. Amen. Et le Seigneur a commencé à faire certaines choses. Il y a un portable aussi qui ne fonctionnait pas. Et le Seigneur a fait grâce qu'il a acheté un nouveau téléphone. Vraiment quelqu'un qui m'avait promis depuis longtemps. Il s'est souvenu de moi. Et il m'a offert ce téléphone. Alléluia. Et il y a aussi encore Élie Bien-Aimé qui m'avait appelé pour dire que le Seigneur m'a mis en cœur de m'offrir une télévision. Alléluia. Et j'étais là le lundi, il m'a appelé. Et il m'a ouvert la télévision. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Tiens d'Israël et sa cavalerie. Oh, mon père, tiens d'Israël. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon témoignage, pour moi, c'est un témoignage de restauration. Le Seigneur m'a restauré, donc c'est un témoignage de reconnaissance à l'Éternel. Il faut dire que depuis un moment, j'étais assoupi. Je n'arrivais même plus à prier, même plus de 30 minutes. Et après, comment dirais-je, le dimanche passé, voilà, après le moment qu'on a passé ici, il faut dire que depuis ce dimanche soir là, c'est comme quelque chose qui pour moi, je ne peux pas. Souvent je prie que je suis fatiguée, mais je ne peux pas m'arrêter. Vraiment, ma vie de prière a été restaurée. Et je veux dire merci à Dieu pour cela. Maintenant, les songes là, on ne parle pas.
Papa, le Seigneur s'est levé pour moi. Donc, je veux rendre toute la gloire à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, celui qui combat pour nous. Je veux vraiment lui dire merci. Mais il faut acclamer pour ce que vous avez. Alléluia. Il faut acclamer. Si tu acclames, c'est là avec toi. Alléluia. Témoignage. Bien aimé, ne s'assure pas sur ton témoignage. Si ce n'est pas acclamé, c'est que vous voyez Dieu aussi. Alléluia. Je voudrais rendre grâce au Seigneur, lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il faut dire que le dimanche passé, lorsque nous avons pris le repas du Seigneur, la douleur que je ressentais au niveau de mon pied, il faut dire que je ne pouvais pas m'arrêter très longtemps depuis le dimanche passé, mais aujourd'hui, à la grâce de Dieu, ça va. La douleur a diminué. Donc je voudrais profiter aussi pour rendre grâce au Seigneur pour la santé qu'il m'a accordée parce que ce n'était pas vraiment facile. La douleur a commencé depuis 2007. Il y a eu un choc au niveau de ma hanche. Donc je n'ai pas pris ça au sérieux. Donc avec les injections, tout et tout, voilà. Ça a commencé à aller. Je faisais EPS même avec, je partais à l'école avec. Mais il faut dire qu'en 2020, c'est là que la douleur a commencé à devenir forte. Et après 2020-2021, la douleur descend jusqu'à mon pied. Et vraiment, arrivé un moment, c'était difficile pour moi de marcher. C'était difficile. Même quand je vais à l'église, je chante, souvent je suis assise. Et c'est comme ça, il y a un moment qui m'a conduit à m'accorder chez un docteur. Et nous sommes partis vraiment. Le bruit qu'il a dit là, vraiment, je voulais vraiment demander pardon au Seigneur parce que, durant toutes ces épreuves là, vraiment, j'avais vraiment abandonné le Seigneur. Parce que lorsqu'il m'a fixé le prix, j'ai appelé mon nom en question. Toute ma famille m'a abandonné. Ma maman aussi est au village, ça ne va pas. Mon nom m'a abandonné. Et vraiment, j'étais vraiment dépassée. Et dans toutes ces situations, j'ai abandonné la main du Seigneur sans le savoir. Et quand le Seigneur m'a révélé cela, je lui ai vraiment demandé pardon. Et le Seigneur m'a donné la somme exacte, 350 000. Vraiment, le Seigneur a fait. Et ils m'ont planté. J'ai fait 9 mois à la maison sans venir à l'église. Et vraiment, c'est une grande joie que de me retrouver ici, debout devant vous. Je ne savais pas qu'aujourd'hui j'allais. Pendant ces 9 mois à la maison, il faut dire que j'ai eu beaucoup d'attaques. C'est par la grâce de Dieu que je suis vivante, je me tiens sur les deux pieds devant vous. Que toute la gloire vienne au Seigneur. Témoignage. Soyons bénis dans le nom puissant de Jésus dans ma tête. Amen. Bien avant que nous faisons la prière de ce dimanche dans le 21 songe ou ce mois, c'était comme des verres qui avaient rempli la maison. Toute la maison était remplie de verres, ça l'était. Et puis, j'étais devant la porte et j'ai dit à mon garçon là que, mais avec ces verres qui ont rempli la maison, comment tu peux te retrouver à l'intérieur? Pourquoi je ne peux pas rentrer dans cette maison? Le problème de la maison, c'est quel genre de construction ça? Et puis, à la salité, les gens comme ça, on ne peut même pas rentrer dedans. Si je ne peux pas rentrer dans cette maison-là, c'est dans ça les soins se coupaient. Et après la prière de dimanche, là, quand je suis dans la maison, les gens encore m'avaient revenu encore dans la même maison. Mais cette fois-ci, les verres étaient plus beaux. Mais c'était comme les verres qui étaient là découpés, qui étaient les débattre. Je voyais que le sol était très propre, mais c'était les débris de verres qui étaient là. Mais parmi ces débris de verre là, il y avait comme, je ne sais pas si c'est slopante, mais c'était un gros truc, mais c'était bizarre. Et puis j'ai vu, dit, mais c'est quoi ça? Il faut qu'on tue ça. Et j'ai dit à mon garçon, il faut qu'on va tuer. Et il est venu, le truc a disparu, il s'est caché quelque part. Parmi les habits, quelque part là-bas. Puis on a cherché juste qu'on n'a pas trouvé une des sorties. Et là maintenant, il est tout seul maintenant dans la chambre. Je vois que le truc est sorti en bas, il a commencé à s'écrouler les choses, et puis les sorties. Quand la chose est sortie, les autres, là, moi, ils savaient déjà que c'était déjà terminé avec eux. Donc, je ne pouvais plus d'eux, j'ai dit, vous avez déjà fini, je ne peux plus rien avoir avec vous.
Donc c'est ce truc-là que j'ai poursuivi. Il dit, Seigneur, c'est quoi ça? Donc c'est dans ça là. Quand j'ai commencé maintenant à traumatiser, c'est-à-dire que j'ai commencé à le poursuivre, la maison a commencé à se poursuivre. Et le truc même, je l'ai atteint au niveau de la porte. Et c'est quelque chose de bizarre. C'est que quand il est sorti en flèche. Et que les auteurs en flèche, il n'était plus une bête, mais c'est devenu un être humain. Oui. C'est devenu un être humain, puis il dit, mais non, pas tes hommes, mais puis t'es dans la maison ici. Tu sais quoi chez moi ici? Il était au loin maintenant, il ne pouvait plus rentrer. Et après ça, on les aime encore, ils revenaient encore dans la même maison. Et ça se passe, bon, il n'y avait plus rien, mais quand je me suis réveillé, c'est comme je me suis réveillé par terre et puis je vois comme si devant ma porte, quelqu'un avait balayé. C'était un tas qui était là. Maintenant, il cherchait maintenant une paix pour ramasser votre chute. Comme je pense, je vais dire merci au Seigneur parce que je sais qu'il y a un combat terrible qui s'est passé dans ma vie. Je veux mon gloire à Dieu. Je dois acclamer pour ce que vous avez. Bien-aimés, excusez-moi, je voudrais dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Il faut dire que la somme demandée vraiment, c'est l'église qui a fait, c'est les frères et sœurs qui ont suivi. Donc vraiment, je voudrais leur dire merci. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Étant là-bas, chaque fois, il faut aller au rendez-vous. Ça, c'est vraiment c'est l'argent. Faire la radio, vraiment, c'est le peuple de Dieu. Donc, je voudrais vraiment dire merci au Seigneur. Tout ce moment qu'attendait, lui, c'est maman, il attendait. Lui-même, il m'appelait, il dit, ah, Dieu, prends l'argent, tu vas aller au Guinée. Si ça ne veut pas parler. Lui-même, quand il m'a vu, il était vraiment dépassé. Il ne m'a même pas adressé la parole. Il fait trois jours, je suis en tout cas, il ne m'a pas adressé la parole. Donc, vraiment, je voudrais dire merci au Seigneur. Dire merci aussi aux frères et sœurs qui m'ont soutenu dans la prière, par les moyens financiers aussi. Le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Témoignage, c'est fini. Témoignage, c'est fini. Donc, d'ici du lundi jusqu'au dimanche, le Seigneur n'a rien fait pour toi. Tu n'as pas vu quelque chose. Le Seigneur n'a pas libéré. Le Seigneur n'a pas protégé. Le Seigneur n'a pas gardé, il n'a rien fait pour toi. Alléluia. Le Seigneur n'a rien fait pour toi. Amen. Donc s'il y a eu le témoignage, il va inviter l'homme de Jésus, il va prier pour ce témoignage, qui va signer ce témoignage dans le sang de Jésus. Et tous ceux qui auront le témoignage, Seigneur, l'homme de Jésus va prier. Alléluia, gloire à Jésus. Bienvenue, tu vas t'aider, nous allons prier au nom de Jésus. Nous allons prier pour les témoignages au nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons toute la gloire, nous bénissons ton Seigneur Jésus-Christ pour tous ces témoignages. Père de gloire, Père éternel, nous te rendons gloire pour la vie de toutes ces personnes qui ont rendu leur témoignage pour fortifier, pour exhorter quelqu'un ce matin. Père, nous te rendons toute la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Père, que tu te souviennes des Pères, afin que dans le jour à venir, Seigneur Jésus, quand tu voudras faire des grandes choses pour lui, il puisse venir devant ta face, Seigneur Jésus, pour te rendre gloire. Père de gloire, Père éternel, je prie en ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit complètement restauré, Père et gloire, Père éternel, par ton sang, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie en ton nom que tous ces témoignages soient scellés dans ton sang. Père et gloire, Père éternel, que tu te souviens des personnes aussi qui sont assises. Père, c'est leur témoignage. Souviens-toi du Père et gloire, Père éternel. Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons ton nom. Merci, Père et gloire, pour tous ces témoignages. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia, tu vas préparer ton offrande et ta dîme. Tu vas briser ton offrande, tu vas déclarer les paroles de ton offrande, tu vas prier dessus et tu vas lui offrir Dieu. Thank you.
Si toi tu sais que Jésus est ton soutien, tu vas danser à la gloire de Jésus. Alléluia. Amen. On reprend ce cantique avec vie et autorité. Thank you.
Seigneur, pour tes enfants. Père, tu as dit dans ta parole, apporter les crimes et les offrandes à ta maison, afin que la nourriture ne manque pas dans ta maison. Et tes enfants, ils ont obéi, Seigneur Jésus. Ils ont apporté et demandé les économies de mon Dieu roi. Père, je prie que Dieu te bénisse les activités, Seigneur Jésus. Que tu bénis tout ce qu'ils font de mon Dieu. Que tu bénis l'œuvre de leurs mains. Que tu bénis l'œuvre. Et le fruit de les sols, que tu bénis les travail, que tu bénis leur famille, que tu bénis les enfants, que tu bénis tout ce qu'ils vont entreprendre, que tu bénis tout ce qu'ils leur verront toucher, que tu bénis tout ce qu'ils vont faire, nom de cette semaine, nom de cette semaine soit béni, nom de le lundi soit béni, nom de le dimanche soit béni, nom de le vendredi soit béni, nom de le jeudi soit béni, nom de le vendredi soit béni, nom de l'éternel. Merci encore pour tout ce que tu fais.
que la gloire, que l'élévation te revienne pour des siècles et des siècles. Seigneur, souviens-toi de ceux aussi qui n'ont pas encore porté. Seigneur, que le divin prochain qui puisse apporter. Et tout point qui était fermé dans la vie s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Et je déclare sur la vie que ceux qui ne travaillent pas, qu'ils trouvent un point maintenant au nom de Jésus. Père, merci. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Qu'est-ce que j'ai prié? Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Que ça soit dans la bouche du Seigneur Jésus. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus. Et puis on va passer aux annonces du jour. Amen, amen. Alléluia. Nous sommes toujours dans la préparation de la fête de Pâques. Alléluia. Nous sommes en train de préparer cela. C'est notre fête. Toi, tu ne sais pas. C'est là que nous devons te voir. Alléluia. Donc, pour cela, nous avons fait sortir le pain. Voilà. Qui est encore disponible pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu pour nous. On va montrer encore. Le pain est encore disponible. Amen, amen. Donc, toi, tu n'as pas encore eu pour toi, il faut rapidement récupérer parce que les jours nous pressent. Alléluia, ça donne au moins deux semaines, je crois. C'est deux semaines. Deux semaines. Alléluia, il faut aller déposer pour que les tailleurs puissent travailler dessus. Amen. Donc, chaque samedi aussi, nous avons la délivrance à commencer. Alléluia. Donc, l'Église, toi, tu n'as pas encore passé à la délivrance, c'est le moment. Je te fais enregistrer sur les hommes de Dieu, de voir les hommes de Dieu pour prendre pour un moment d'entretien, pour qu'on puisse te programmer. Alléluia. C'est très important la délivrance. Bien aimé, nous avons pris un dimanche dans la semaine pour nous retrouver. Les autres jours, il faut passer aussi pour aider aussi et passer aussi à la délivrance. Alléluia. Amen, amen. Et je vais annoncer aussi, je ne sais pas. Tu n'es pas sur la page d'Aboro, sur notre page. Amen. Le mercredi, j'avais envoyé une information qui concernait l'église. Alléluia. Il y avait un frère, le prophète Josué, qui avait perdu son papa depuis le Mali. Alléluia. Et j'avais envoyé l'annonce sur la page. Donc, tu n'es pas connecté, voici la nouvelle qui est là. La Bible dit, réjouissez, vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Donc, bien aimé, c'est un moment douloureux. Donc, après, tu peux l'appeler pour le fortifier encore. Alléluia. Et aussi le consoler. C'est le Seigneur qui possède. Lorsque tu apportes encore, et le Seigneur va agir plus. Alléluia. Amen, amen. Donc, pour cela, comme d'habitude, nous avons fait nos offrandes des actions de grâce. C'est ça, actions de grâce. Alors, pour le soutenir dans ce moment-là. On dit que quand tu perds quelqu'un, c'est coûteux. Le cadavre est coûteux que l'homme vivant. Amen, amen. Amen. Donc, le Dieu, on va faire ça quand le dimanche prochain vient. Donc, le dimanche prochain, amen. Donc, il faut penser à ton frère pour le soutenir. Alléluia. Amen, amen. Lorsque tu es en train de donner, le Seigneur aussi ouvre aussi les portes dans ta vie. Amen. Alléluia. Parce que nous sommes une famille, le Seigneur Dieu pleure avec ceux qui pleurent. C'est le moment de démontrer notre amour avec. Notre frère, depuis le Mali, il a laissé ses parents et
en novembre 2023, il avait perdu sa maman. Et cette fois-ci encore, c'est son papa. Alléluia. Vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile pour un homme de quitter sa famille jusqu'à venir servir le Seigneur et trouver cette chose. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut mettre la main dans la poche pour le soutenir. C'est pas facile. Amen. Alléluia. La femme même savoir qu'on se plus que les grands. Alléluia. Donc, amen. Donc, la Pâque, c'est le 14 avril, selon la parole de Dieu. Alléluia. Donc, c'est le 14 avril, nous avons célébré cela, selon la parole de Dieu. Bon, c'est là, on va confirmer. Les hommes de Dieu vont confirmer le jour. Alléluia. Tout le monde a compris. On aura un moment de jeûne concernant la Pâque. Une semaine avant, une semaine après. Alléluia. Bien, mais c'est très important. Il faut participer à ce moment-là. Toi, tu n'es pas habitué au jeûne. C'est le moment de faire pour que le Seigneur s'y couvre de toi. Toi, tu attends les choses du Seigneur. C'est le moment. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ce moment-là n'est pas à rater. Amen. Et lorsque tu mets ce moment, le Seigneur agit dans l'immédiat et tu verras. Amen, amen. Donc, préparons-nous pour le moment de jeûne qui va venir. Voilà. Donc, c'est pour vous préparer en esprit. Amen. Alléluia. Donc, préparons-nous. Je ne sais pas ce que si ça sera un fruit ou de sa montée là, ça va venir. Si c'est un fruit, préparez aussi l'argent de fruit. Amen, amen. 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 Et pour en dehors, quand ça va soi là. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je rappelle le dimanche prochain, on va faire l'action de grâce pour l'homme de Dieu. Et aussi, le pain est encore disponible. Toi, tu n'as pas encore reçu. Pour toi, c'est un morceau à 850. C'est ça? 850. Ça a augmenté de 100 francs. Amen. Prenez Dieu, c'est bon. Shalom, shalom, bien-aimés.
Oui, shalom. Shalom. Alors, comment tu t'appelles, bien-aimé? Avec bonheur, bonheur, madame. Ah, c'est toi. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, c'est la première fois que tu arrives. D'accord. Il t'est invité. Mon pas. C'est ton pas. Tellement qu'il a bien dit, c'est mon pas. C'est mon pas, mon pas. D'accord. Merci, pas. D'avoir invité Jean-Jean. Alors, comment t'as trouvé le métier? Nous avons. Donc, le dimanche prochain ensemble. On acclame le Seigneur de Dieu. Donc, au ministre. Alléluia. Amen. Monsieur le ministre, le Seigneur te bénisse. Comment tu t'appelles? Christ Élisée. Ah, oh, ça ne veut pas qu'on parle partout dans la Bible, c'est toi. Ah, d'accord. Que le Seigneur te bénisse. Qui t'a invité? À toi, ça va, papa. D'accord, et tu es content d'être ici? D'accord, donc, dimanche prochain, est-ce que tu vas lui dire que vous venez ensemble? Ou bien tu vas rester là? Amen. Pour que tu continues d'envoyer des ouvriers dans ta maison et que par la suite, ton peuple rassemblé devant ta face se retrouve en union et en communion fraternelle afin de te célébrer, de te mentionner, afin de te célébrer et de glorifier ta grandeur et ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, on va aussi présenter le responsable du groupe musical, l'homme de Dieu, Jean. Alléluia, l'homme de Dieu, Jean. Alléluia. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il a donné l'exemple à lui-même, il peut le dire. Là, Jésus. Donc, nous vous présentons le serviteur de Dieu Jean, qui est le responsable du groupe musical. Donc, groupe musical, voici votre responsable. Alléluia. Est-ce qu'on peut t'arracher quelques mots? Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je bénis le nom du Seigneur ce matin. Lui qui était, qui est, et qui continue toujours de demeurer avec nous. Amen. Et qui continue d'assister son peuple. Je n'ai pas grand chose à dire. Et tout ce que je voulais dire, c'est de dire merci à Dieu. Et aussi dire à Dieu que son peuple, que nous sommes, nous avons besoin de lui. On ne peut rien faire sans lui. Et que sa parole nous dit, il dit que en vain, vous vous levez tôt le matin et vous rentrez tard. C'est de la peine qu'on se donne quelqu'un qui fait sur le lit si la fête de l'éternel n'est pas venue. Donc nous prions que le peuple de Dieu aussi continue de prier pour nous, afin que l'œuvre de Dieu aille bien. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de son Jésus. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Oh, come on.
I'm gonna get you.
Il me lèvera sur un rocher.
Et déjà ma tête se lève sur mes ennemis qui m'entourent. Je ferai des sacrifices dans sa tente. Je ferai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette. Au son de la trompette. Je chanterai. Je chanterai. Je célébrerai l'Éternel. Je célébrerai l'Éternel. L'Éternel écoute ma voix. L'Éternel écoute ma voix. Je t'invente. Je t'invente. Aie pitié de moi et exauce-moi. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part. Mon cœur dit de ta part. Cherchez ma face. Cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Ne repousse pas. Tu es mon secours, ne me laisse pas. Tu es mon secours, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me retiendra. Mais l'Éternel me retiendra. Éternel, enseigne-moi la foi. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. À cause de mes ennemis. À cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins. Et des gens qui ne respirent que la violence. Et les gens qui respirent la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel. Sur la terre des vivants. Sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Et que ton cœur s'affermisse. Et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Espère. Psaume 27. Éternel mon Dieu, mon roi, maintenant que tu nous as conduits jusqu'au terme de ce moment, nous te prions de fixer ta parole, ta sémence, ton esprit et les portes ouvertes dans la vie de chacun d'entre nous. À l'orée de la célébration de la Pâque, nous te prions, ô Dieu, que les portes ouvertes ne se referment plus jamais. Nous déclarons que tu es digne de régner sur notre vie. Ainsi, nous cachons tout ce peu à l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. À compter de cet instant, le décret signé de la main de l'Éternel impose qu'il n'y ait ni agresseur, ni voleur, ni escroc qui vient sur le chemin de ton peuple. Pour sortir ici, les grâces qu'ils ont eues et la délivrance opérée sera conservée. Nous déclarons en ton nom que les vies sont bénies, que ta main repose sur eux, que ta main recouvre toutes leurs activités, que ta main recouvre leur famille et leur maison. Tu multiplies leurs greniers et tu les sors du piège de l'oiseleur et du filet de capture. Aujourd'hui, ton peuple est en train de vivre ta joie, ton assurance et ta présence. Merci de bénir et de le couvrir de ta puissante main protectrice. Merci Seigneur de les préserver tous du mal et de leur donner de croître encore et encore dans ta présence.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Amen. Je dis shalom à ton père, shalom à ta soeur. Salut ton frère. Je rappelle que les chats n'ont pas pouvoir là.